La soirée du 26 octobre à la Star Academy a marqué un tournant pour les candidats encore en compétition, avec l'élimination programmée de Paul. Michael Goldman a ensuite relevé les défis pour les élèves en les répartissant en duos pour une série d'évaluations intenses. Lors de la première épreuve, ils ont dû interpréter la version de Forever Young de David Guetta. Emma et Maceo ont impressionné le jury, se distinguant comme les meilleurs et gagnant une chance de chanter avec Guetta au Energy Music Awards. La deuxième évaluation, ce mardi 29 octobre, a combiné une épreuve de chant et une improvisation théâtrale. Noah et Charles, très complices, ont ouvert avec Mon frère de Les 10 commandements, offrant une performance poignante qui a ému le jury. Lors de l'impro, Noah, absorbé par sa prestation, a failli oublier cette étape. Ensemble, ils ont tout de même réussi à décrocher des sourires avec une scène de bureau humoristique. Thomas et Maya ont ensuite repris In the Star de Benson Boone et Philippine Lavray. Bien que Thomas ait mis une émotion palpable dans sa performance, leur alchimie n'a pas pris, et quelques problèmes d'harmonie ont été notés. L'improvisation, quant à elle, s'est terminée de façon humoristique, malgré les rires involontaires de Maya qui ont rendu l'ensemble décalé. Marine et Ulysse, interprétant le chemin de Kyo, ont quant à eux offert une prestation contrastée entre la douceur de Marine et l'énergie d'Ulysse, un équilibre qui a cependant paru désaccordé. Leur impro, une scène de cambrioleur mal préparée, a été peu convaincante même selon eux. Ces exercices mettent en lumière le potentiel et les faiblesses de chaque duo, donnant un aperçu des prochains défis que ces jeunes talents devront relever pour continuer à avancer dans l'aventure Star Academy. Ebony a affronté cette nouvelle évaluation avec appréhension, bien qu'encouragée depuis le matin par son amie Marguerite. Ensemble, elles ont choisi le chant des sirènes de Jérémy Frérot, une chanson qui semblait parfaitement en phase avec leur voix. Leur performance douce et harmonieuse a apporté un vrai moment de bien-être sur scène, même si Ebony, perfectionniste, n'était pas totalement satisfaite, se murmurant à elle-même son mécontentement à la fin. Pour l'improvisation, le thème « couple dans une chambre », empêché de terminer leur valise pour partir en vacances, a permis à Marguerite de se démarquer, bien qu'Ebony ait aussi livré une prestation solide. Leurs échanges ont déclenché quelques rires parmi les professeurs, mais l'insatisfaction d'Ebony l'a rattrapée, et elle n'a pu retenir ses larmes de retour au château. Marguerite est toutefois restée à ses côtés pour la réconforter. Julie et Franck, comme Thomas et Maya, ont interprété In the Star, malgré une préparation complexe pour adapter la tonalité. Leur duo a révélé une belle alchimie et beaucoup d'émotions, Julie, en particulier, se démarquant par sa puissance vocale et son interprétation touchante. Ce duo est parvenu à transmettre une intensité palpable qui a captivé le public. L'improvisation suivante les a mis dans la peau d'un frère et d'une sœur, dans une cuisine, peinant à réaliser un gâteau d'anniversaire pour leur mère. Le duo a fait preuve de naturel, et leurs échanges ont offert un moment drôle et complice. D'après ces évaluations, Marine et Ulysse semblent à risque d'être nommés cette semaine. En ce qui concerne le deuxième duo, la nomination pourrait se jouer entre Thomas et Maya, ou Ebony et Marguerite. Nous connaîtrons le verdict final lors de la quotidienne de demain.